tout le monde. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombré dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières, je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà. Pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé hey! Je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oh, allez, ouvre-moi cette porte! Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui ? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant ? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Hope Zero. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas ? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et c'était quoi cette salle ? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Je vais devoir abandonner autre chose. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre... Où est-ce qu'on est ? Une salle d'holographie. Données du ZD-01 intact. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Hope Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Hope Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle.
rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi ? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail, ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Aube Zéro, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobeck le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Erez, terminé. Mais c'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement ! Surtout, tirez à vue ! C'est quoi cet endroit ? Un tombeau ? Finissons-en. Elle est pile devant moi. La traque est finie.
Données du ZD-02 intact. Début de la projection. Elisabeth Sobeck. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Pharo est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie? C'est l'objectif, l'espoir du projet Hope Zero. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa, une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures? Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu? Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots Pharo pour de bon? Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. Alors, la Terre avait été détruite, puis reconstruite? Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça... pour la vie? Pour nous? Mais... pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot Pharo? Et... pourquoi il voudrait me tuer? Et puis... Apollon... l'archive des connaissances... où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard.
Une intruse! Attrapez-la! Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas. Plus de courant. Il y a un autre accès ? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Ça devrait me donner l'avantage. C'est parti. Encore une interface. Il manque un élément. J'en ai ras-le-bol de la compétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. J'en ai un. Il a l'air intact. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte.
ça a marché. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. L'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa, là-haut, au deuxième étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Trouvons-la pour qu'on puisse sortir de ce lieu maudit. Pour l'instant, en tout cas. Alors, au travail. Tu dois trouver Gaïa. Bonjour, je suis Margot Chen, et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts... J'ai déjà trop de choses. Tout ça, quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter...
Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobeck. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Alors tout a été perdu. Le plus grand don des anciens. Le plus grand? Après le fait qu'on existe, tu veux dire? Vivre dans l'ignorance est une malédiction, Aloy. Toi, plus que les autres, tu devrais le savoir. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 zeta-octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé, il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail. Enfin. Repéré. Enfin tranquille. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici.
C'est déjà plein. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube Zéro. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de vous faire disparaître à nouveau, franchement? Pas le choix, il faut aller par là. Bienvenue dans Illity. La fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Illity que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Illity n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas ces trucs, de le modifier. C'est... un aperçu c'est de ce la que je pense. Des utérus artificiels, des machines construites pour concevoir une nouvelle génération d'êtres humains. Sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la Toute-Mer. C'en était un ? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de... registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. J'ai plus de place. On dirait que ça contenait quelque chose avant. La morphologie des antipines serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien... Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne... La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement. On a donc rien appris de nos erreurs ? Plus de place. Le fichier principal du registre alpha. Intact ? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends ? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mer. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... peut-être qui m'a mise au monde. Qui ? Tu es vraiment si naïf que ça ? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse.
toujours en vie. Tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment ? Pourquoi ? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Il a grandi quand le haut prêtre Bahavas a disparu, et quand le roi soleil Itamen a été enlevé, il a plus que grandi. Il s'est imposé. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui. Je me souviens. Un beau combat pour un sauvage. Il s'appelait Rost, et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non, c'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et... a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes, que tu éliminerais le haut prêtre Bahavas, que tu enlèverais Itamen. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Sacré destinée. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin, et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible, si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi ? Tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unie sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément, et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre, ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre, mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être.
La bête errante, enfermée, va rencontrer sa destinée. Celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire. Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est. Pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Nora m'ont banni à la naissance. Tu peux bien leur faire ce que tu veux. Vraiment? Alors qu'ils meurent ou non n'a pas d'importance. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Ah. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des ombres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et ralliés à notre cause! Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fosse, Kiran leur a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte! Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre! Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Je prépare.
trouverai peut-être des pièces. Tu es là. Pour de vrai. Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben, sache que t'as perdu ton temps. Elis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus ? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé deux galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Depuis quand tu sais pirater les machines ? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Banouk. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Elise t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Elis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste ? Tu diras rien.
Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Karja de l'Ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain, un vrai. Yah!